bon. Si je veux aller à la vision, c'est pas bon. Il faut m'aider. Il faut m'aider. Il faut m'aider. Août, septembre, le coup arrive. On est en août et en septembre, le coup arrive. Voilà maintenant votre maman qui le soit. Le 29 août 2002, le même jour, hein, le même jour, moi j'ai reçu du 28 au 29, et elle maintenant, le 29 heures le soir, tout le temps d'unité en Côte d'Ivoire. En compagnie de tout mari, prophétesse qui était au camp de Guam. Moi, mon cousin, qui était commando mari, et tout maman. Tati Marie était malade. Nous prions pour elle. Éric Lamasse et Edgar, mon cousin Diego, et moi avions demandé qu'elle ramasse doucement pour ne pas lui couper la respiration, sinon, selon Edgar. Donc, on disait que maman masse en parle doucement pour ne pas lui couper la respiration. Mais depuis qu'elle se quand on masse quelqu'un, on lui coupe la respiration. Je parle. Ça, c'est maman qui a reçu maintenant. Le jeudi 29 août 2002. La tante, la une prophétesse. Elle est une maman. Et c'est un moment pour nous. Et là, l'image de la nation. Donc il fallait prendre soin doucement. Donc le problème qui va venir, il fallait que ce soit la sagesse pour gérer ce problème. Sinon, ça serait la destruction. Et qui parlait à côté de moi? Moi, je suis homme de Dieu, l'autre est militaire. Quand le problème est venu, il y avait l'armement qui arrivait. Il pouvait répéter automatiquement. Il fallait la sagesse. C'est pourquoi ils sont allés dans la sagesse, dans les négociations. Il fallait aller doucement. C'est pourquoi ils disaient qu'on est pressé doucement. Je n'ai jamais vu comme ça. Je suis dans mon petit coin, j'ai pris. Et un seul juge, je l'ai vu parce qu'il m'a dit, maman même était assise en train de vendre ses oranges. Et j'étais à peine en train de lui dire, prions pour le président Gbagbo, parce que c'est Dieu m'a montré. Quatre militaires ont été envoyés pour le tuer. Quatre militaires ont été envoyés pour le tuer. Et il m'a battu. Prions. Dès que j'ai des balles, les gens dans leur quartier, il faut finir là. Ça, c'était au mois de mai. J'étais allé voir d'autres. Mai 2001. Le lendemain matin, j'ai vu un prophète. Je lui ai écrit pour que lui aussi prie. Voilà une femme qui court. Pasteur, ça arrive. Pasteur, il y a quoi? Mon mari vient d'arriver. Il y a quatre militaires qui voulaient tuer le président. Ils ont fui. Ils ont attaqué deux. Deux la sont enfuis. Le prophète a été dit, je les garde. Quelquefois, il faut qu'on dise qui on est. Il faut qu'on parle. Dieu t'a fait grâce d'être ici. Joue ton rôle. Sois heureux d'être là. Tu as un bon port. L'homme de Dieu est arrêté et tu me regardes, il est dépassé. La révélation que je lui partageais à l'instant. Et ce jour, Dieu m'a dit de chémir, j'étais malade. Et je devais effectuer un voyage. Il dit, bon, jusqu'à 13h, rentre en Genève. Je m'en vais à la banque pour faire le prêt, pour pouvoir partir. Et dès que j'arrive à la banque, elle me salue, donc je compte l'argent. Elle commence à m'insulter. Elle dit, ah madame, vous m'avez donné l'argent là-haut. Mais il faut que je vérifie. Elle dit, tu as dit que quoi? Que je
pardon. Si je m'en vais ailleurs, puis il y a quelqu'un qui dit que c'est pas au contraire, elle me dit que non, je suis un menteur. Mais si c'est devant vous ici qu'il y a erreur, parce qu'on est humain, on peut faire erreur. Donc il faut que je vérifie là. Et même c'est ce qu'on recommande. La femme a commencé à me dire à monsieur. Laisse me dire, c'est le diable. Il veut t'arrêter dans le jeûne. Il veut te mettre en colère, mais pas que tu pries. N'écoute pas, dégage. Je suis quitté. J'étais fâché. Je suis quitté. Je suis parti, j'ai prié jusqu'à 13h. Je suis allé prendre mon car. À peine arrivé à Canoa, je suis allé chez elle. C'était pour l'entente. Je suis allé chez elle à la maison. Je venais de lui dire ça, que le président vient passer devant moi. Et le lendemain, matin, très tôt, j'expliquais à un prophète. J'ai dit même, j'ai dormi, j'avais dit, j'ai dormi. J'ai lui expliqué ce que Dieu m'a montré. Alors, je suis rentré dans le jeûne jusqu'à Canoa. Pendant que j'expliquais, l'une de ses fidèles court pour rentrer dans la cour d'église. Pasteur, 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 il y a quoi? Hey, mon mari vient d'arriver. Il y a quatre militaires qui voulaient tuer le président. Dieu en fout, ils ont tenté Dieu. Je parle de mai 2001. L'intercession d'un petit enfant de Dieu a fait déjouer un militaire. Je n'ai pas prié jusqu'à 18h. J'ai arrêté mon jeûne à 13h. J'étais malade, mais j'ai obéi à ce que Dieu m'a dit. Nous sommes, pour cette nation, une source de délivrance, de bénédiction, de restauration. Voici notre mission. Voici notre rôle. Est-ce que tu veux jouer ce rôle aussi? Est-ce que tu veux jouer ce rôle avec moi? Vous savez, après la révélation que maman a reçue, le dernier du 29 août au 30 août, où il était question de passer doucement, où il était question de passer doucement, le jeudi 5 septembre 2002, Dieu va me donner une parole. Une parole de connaissance. Il va parler à mon cœur. Et voilà ce que je note. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute et la ruine. Quiconque veut s'élever sera abaissé, mais celui qui s'abaissera volontairement sera élevé. Pendant ce temps, je subissais des persécutions à l'église. Ne pas m'élever et prendre des résolutions de moi-même à l'église, fraternité des chrétiens évangéliques. Mais je dois laisser Dieu lui-même me positionner dans l'action. Ça concernait également comment le président allait gérer ce qu'il avait. Et il a été humble. S'il avait persévéré dans ça, et laissé Dieu décider, orienter tout ce qu'il y a à lui dans ses épargnes. Mais un petit bonhomme comme ça, tu vois, tu dors dans une maison, tu dors en dessous de ton gros caniveau. Tu n'as pas vu d'arriver, il a plus sur toi, tu as marché dans le salon pour entrer là, il va te couper. C'est pas aussi aller le voir, mais c'est genoux à tête dans la prière. C'est Dieu qui parle au cœur des hommes. Il a révélé, tu pries, Dieu va parler à son cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, mercredi 18 septembre 2002, dans la nuit a commencé la guerre, menée par les gens qu'on appelle terroristes, lancement armé contre la République de Côte d'Ivoire. J'ai dit 19 septembre 2002. Au matin, nous nous sommes réveillés par des coups de fusil. Aux environs de 4 à 5 heures. Et je dis à ma mère, un coup de 4, ils sont en train de faire. Dans le même temps, quand on se réveillait, chacun décidait encore des relations sur la guerre. Et j'ai même monté le jour où, pour la première fois, il n'y a pas eu de tir avant tout. La première fois, où il n'y a pas eu de tir. C'était au 22e jour, après le début. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour me vanter. C'est l'œuvre que Dieu nous confie. C'est l'œuvre que Dieu nous confie. Tu comparaîtras devant le roi de gloire, Jésus. Jésus revient. Te prendra-t-il? Ou seras-tu jugé, condamné et jeté dans le lac de feu? C'est aujourd'hui le jour du salut.